Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maxime Hénard, on se retrouve pour la suite de la Solus de Vampire The Masquerade Bloodlines. On s'est arrêté la dernière fois en entrant dans ce sublime endroit, on avait trouvé Zao qui nous avait dit de trouver quelqu'un ici qui pourrait nous aider. Oh putain, trouver enfin l'agent. Capturé. Ah oh ouais, parce que là, putain, si ça continue dans 10 vidéos, on y est encore. Hein. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est bien ici la teuf partie, oui, oui. Oh, madame, vous êtes pâle. Faudrait manger un peu de sucre. Bonjour, bonjour. Hé, hey, salut toi. Hé, hey, poupée, sa sœur, c'est quoi ton petit nom propre? Rosa, Robert? Oh, bah, c'est un nom de merde. Ouais, cette danse. Et moi, je peux pas danser. Oh, le DJ, il a une tronche de con. Hein. Ah, vas-y, DJ. N'importe quoi. Hello? Non. T'as pas une odeur de Johnny. Réponds-tu au nom de Johnny? Ouais, je pense que je comprends le jeu. Mais je suis pas sûr. Bah, je vais monter main dans la main avec la mort. Je pense que je comprends le jeu. Enfin, je suis plus si sûr que ça, mais je pense que je comprends le jeu. Je suis désolé si des fois ça s'entend qu'il y a un petit décalage de son, mais bon. Bonjour. Eh hey, bonjour. Si, moi j'ai le droit. Je suis un casque bleu de l'ONU. Oh, vous êtes beau, parce que j'allais justement vous demander de danser. Quoi? 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 Alors franchement, à ce moment-là, j'ai rien compris. Attends, le mec, je dis... Oh, que c'est beau, j'ai juste vous demander de danser. Oh, je me justifie. Je dis juste qu'en fait, je voulais pas monter. Mais le mec, il m'abat direct. Miss Foudmeuille, en fait. Oh là là, j'ai vraiment une envie de le crever, mais on va essayer de faire discretos. Hein. Ouais, on va essayer de faire cet endroit discretos. Pour changer. Ah ouais, c'est pas souvent dans le jeu que vous me faire discretos. Magic Gun. Je suis vraiment de force. Ah, dans Hitman encore moins. Hitman, sur le premier là, Hitman, c'est très chaud de réussir à faire discretos. Donc là, je lui suce le sang, mais ouais, c'est un beau fail. Je recharge, oui. Bon, on va essayer de passer. Discretos. Troisième fois que je me répète. Donc là, évidemment, pour essayer de passer Discretos, il faut utiliser l'occulte. Vous avez compris le problème. Je vais devoir me ravitailler en sang parce que... Comment dire, donc voilà. Sinon, je me fais fusiller par les gars parce qu'elle rentre direct en frénésie. Par manque de sang. Donc là, on va essayer de chercher une bonne petite victime à sucer son sang. Je jure, une victime toute seule. Ouais, il nous faut assez de sang pour éviter de rentrer en frénésie. Putain, pour une fois, je me casse le cul à essayer de faire discret. Évidemment, il faut toujours qu'il y ait un connard de flic qui se balade dans le coin. Putain du... Bonjour madame. J'imite très bien le bruit. Mais je m'en fous. Et j'adore. Violation de la mascarade. Putain. Donc voilà, c'est cette personne. Elle a réussi à voir à travers le mur, à me voir à travers le mur bouffer l'autre. Normal quoi. Mais bon, vu, je m'en branle totalement. Alors là... Hein. C'est ça où je bute tout le monde dans le truc, ce qui sera pas mieux. Bon, évidemment, il fallait qu'il y ait ces cons là qui arrivent. Donc là, infiltration au bar. C'est quand sa filtration hein. Allez. Je sens qu'on s'approche de Barabé Dédus.
Donc là, je suis obligé de lancer ici parce que vous n'oubliez pas, tant que quelqu'un me regarde, je peux pas lancer le truc. Je suis obligé d'être dans un coin lancé, un coin où il y avait personne. Donc là, j'essaye de voir où ça mène. Mais ça m'amène au Yémen! Wouh! Blague. C'était une blague. Et là, je me dis foutage de gueule. Eh non, en fait, faut retaper le code. Mais c'est vrai. Donc là, on retape le putain de code. Et hop, on repasse. Ah, c'est... ah mais attends, j'adore comment la porte s'est verrouillée derrière moi, tu sais. Oh là là. Dans Hitman, vous aurez pas fini de voir des failles. Bon, il y en aura beaucoup moins ensuite. Hein. En tout cas, des failles qui méritent que je marque un gros fail avec un point d'exclamation avec la musique. Pour l'instant, dans mes souvenirs, j'en ai recensé qu'un. Et j'ai fini le jeu. En vidéo. Enfin, même si en vidéo, techniquement, je l'ai fini là. Donc, j'ai tout filmé. Hein. Tout est dans la boîte, il ne reste plus qu'à publier. J'en ai recensé qu'un, mais en revoyant les passages, on verra s'il y a des passages qui méritent de mettre. Sinon, il y en aura eu que 3 donc dans la solution. Par contre, je vous raconte pas le fameux passage. Passage assez marrant. Ça, c'est un beau fait. Non, mais franchement, ce passage, il est marrant. Le passage du fail. Ah non, je ne plaisante pas. Oh, vous l'adorerez, hein. Je crois que c'est mon meilleur fail. Hein. Ah oui, encore mieux que le fait que je rate la cible comme ça, comme un con en disant ouais, je vais réussir, je suis le meilleur d'Irdate. Voilà. Mieux que quand je rate l'autre au snipe. Et même sans parler de fail, vous verrez, vous avez pas encore tout vu. Hein, non, c'est ici. C'est pas fini de vous marrer. Hein. Vous allez voir Hitman Codename 37 d'une autre façon. Là. En tout cas, sinon, à part ça, pour l'instant, cette solution ne me rapporte pas beaucoup de vues, mais bon. On se fout, mais c'est quand même dommage. Hein. You think you are, asshole? Huh? You know who I am? You know where you are? You wanna die? Moi, vouloir mourir? Ah, quelqu'un s'en est chargé avant toi, lui. You got something to say to me, bitch? Tu cherches le gros rat, je vais te buter, toi et toute ta famille. Mother? Yeah, well, we'll give her back after she's done with the last 20 guys. Haha, non, sérieusement. Yeah, j'adore regarder là, je cherche le rat d'égout, vous avez piégé. Oh la blague. Ah non, sérieusement. Tu as l'air d'un type serviable. Et ça tombe bien, j'ai besoin d'aide. Haha, qui je suis? Oh, il me demande. Je suis pompier de la police du FBI, ceinture noire de karaté avec une sale tendance à m'énerver. You told me that guy was a nobody. Just what the hell did you get us involved in? Shoot it. You'll find out. You're dead, asshole. What the fuck? I shot you. You're dead. That's exactly. J'ai même rien senti. Tu m'as même rien enlevé, connard. It's quite difficult to kill something that's already dead. And I assure you, it's not wearing a vest. The bullet entered cleanly through the lower abdomen. Pour une fois, mon infiltration est réussie. Bon ben, salut toi. Tes gardes ils sont sourds en tout cas, ils t'ont même pas entendu tirer. Ouais, on a fini la quête. It's part of your code of survival, covering your tracks, so to speak. And before you attempt to deceive me, you should know I'm monitoring your heat signature. It's room temperature. Oh non, je meurs. Quelle est votre nature? I
also must protect my true identity. You may refer to me as the Mandarin. Le mandarin, pourquoi tu parles pas mandarin? I have him at my facility. Come to the full building. We'll discuss terms of release. Bon bah on a rencontré le mandarin et on a buté l'autre sans que personne nous entende parce qu'ils sont tous sourds. Heureusement. D'un côté. Et là on va repartir de cet endroit discretos. Comme si on n'était jamais venu. Et les gens ils vont rien comprendre quand ils vont le trouver l'autre mort. Ils vont se dire mais c'est quoi ce bordel, mais qui a bien pu le tuer? Bon là, syndicat fou. Bon, on va aller au syndicat fou justement. Allez voir le mandarin, on va lui dire bonjour. Ah, on va enfin retrouver l'autre Baradus. Ah, je suis content. Putain, fallait qu'il bloque le passage, ce con. Putain, mais là, je pourrais passer, te fous pas de moi. Oh putain. Pire qu'une statue, le mec, hein. J'ai relancé un petit truc, hein, pour éviter de perdre. J'adore, eh. Comment ça, tenter échouer. Donc là, on attend que ce con y passe. Et on y va. Allez, on y va, les gars, on y va, let's go, c'est parti, les amis. Non, on va même pas prévenir l'autre qu'il est mort, son ami. Mais ce serait drôle à faire, j'aurais dû tenter. Peut-être que je tenterai, je reviendrai. Peut-être qu'ils seront pas toujours qu'il est mort, hein, quand je reviendrai. Tellement con. Ils vont peut-être mettre 3 ans avant de découvrir qu'il est mort. Ouais, c'est bon, plus besoin de faire discrétion. Donc là, on rencontre un arbalétier avec un manteau, comme ceux qu'on avait rencontrés lors d'une autre quête, souvenez-vous. Là, je mettrai pas de flashback, hein. Là, j'ai pas envie. Hein. Mais souvenez-vous, hein, ma quête dans les égouts, fallait faire sortir un vampire. Donc voilà. Et savoir ce qu'il fout là. Par contre, il m'a fait un regard de choqué quand je suis passé juste devant lui. Ça fait... C'était bizarre. Bon, on va au syndicat fou. Bah, justement, on y est. C'est juste là. Ah, depuis le temps que je voulais y aller. Mais putain, c'est de l'arnaque. J'ai essayé de sauter en avant et il m'a fait genre comme s'il y avait un mur invisible. Ah bah tiens, la porte est ouverte. So qui l'a ouvert? Oh salut. If you want to meet your comrade, walk through those doors. Non, amenez-le ici, ensuite nous parlerons. You're stubborn by nature or instinct. Vos paroles sont des pièges. Venez, on ira déjeuner. Vous traversez les portes? Ça marche, votre jeu. Je vais vous faire la peau. Non, c'est d'accord, vas-y. Bon. Ça sent le booby trap à plein nez, mais bon. On y va quand même. Je suis en train d'imiter mon chat. Attends, This should make you a most intriguing specimen. You and your kind may play mortals for weaklings and fools, and that may be fitting for some. But you underestimate me. Je m'en doutais, c'est un putain de booby trap. Je m'en doutais. L'enculé. True age unknown. As with the other, there are no vital signs.
No heartbeat, no body heat. Test chamber air sample is 97% carbon monoxide. Normal respiration cannot take place. Subject is, by all definition, clinically dead. Hello in there. I'm going to run some tests on you. I'm interested in how you work, but only because it's my task to find the most efficient way to kill your kind. Please, give me everything you've got. Begin the experiment. Oh putain, oh, tu m'aveugles avec ta lumière. Releasing moderate UV radiation. Does that burn at all? Subject exhibits no sign of pain or even physical discomfort. Oh. Arrête là, j'ai mal aux yeux là, j'ai pas dormi de toute la nuit là, la nuit de 24 heures. Please, move on to the next chamber. Ok, je vais dans la deuxième chambre, hein. T'excite pas, papy, hein. Ça va, bon, ben j'y vais, hein. Your kind is resourceful. Your survival instinct borders on animalistic. I'm curious about your innate abilities. Let us see what you can. What the fuck? Ils font mal là quand même ces petits lasers. Ils font très très mal les lasers. Ils font très très mal les lasers. Va falloir les éviter. Et pas faire comme j'ai fait. Ouais, foncer dans le tas. Ouais, ça marche beaucoup. À ce moment-là, j'ai un petit moment dans ma. Je me dis what the fuck. Petite coupure, voilà. Oui, j'ai dit tout le monde taper le passage, hein, mais bon. Vas-y. Essaye de passer. Je suis sûr qu'ils nous verront pas. I'm curious about your innate abilities. Let us see what you can do. Allez, vas-y. Bon, faut faire gaffe au laser du haut et au laser du bas. Parce que quand baba yo yo. Moi je te le dis, je baba yo yo. Putain, je suis un cobaye là, hein, carrément. Ah putain. C'était un beau fail. Même le pape l'a dit que je sais fail. Allez, vas-y. On va. Yeah, yeah. On a réussi. Nickel. Ouais, vas-y. Oh punaise, la porte a disparu là. Carrément. Oh putain. Qu'est-ce qu'elles ont à disparaître, ces portes? Bizarre les portes, hein, ici, hein. Ah, papy, qu'est-ce que t'as fait avec les portes, papy, hein. Mandarin. Ok, il y a des trucs qui tournicotent. Tournicoté. Tournicoton. Generate parts of your body. I'd much like to observe this. I wonder, how many limbs can you lose before you cease to function? Donc là, on arrive à l'épreuve de merde. L'épreuve où je suis bloqué pendant 15 ans sans savoir ce qu'il faut faire. Pourtant, c'était tout con. Non, je déconne. La première fois, franchement, c'était chiant à trouver. Hein. On peut facilement y passer à côté. Je disais, il faut faire un truc avec ces machins-là. Il faut en pousser un, il faut faire quelque chose. Il tournait du genre. Vous devinerez jamais ce qu'il faut faire. Je vous le dis pas, c'est pas marrant sinon. Ça c'est vraiment l'épreuve de merde typique comme je le déteste. Là je tente tout et n'importe quoi.
Chichenchu et n'importe quoi. Visiblement, ça marche pas. Bon mec, tu peux me laisser passer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu m'as même rien dit. Tu m'as dit qu'il fallait les détruire, mais comment? Putain, c'est pas comme si j'étais Babel Newf, moi. Faut péter les lumières ou quoi? Non, j'ai... Wow. Wow. Faut que je fasse quoi? Et arrête de rigoler, je t'entends rire d'ici. Mais je vais mourir. Ouais. J'ai survécu. Je suis mort. Eh bah dis donc. Maintenant que je vois Red Dragon là, je pense surtout à Hitman là. La triade du Red Dragon. Bon, les triades dans Code Naimé 47 n'existent pas en vrai. Normalement. En tout cas, elles sont pas connues pour avoir existé pour l'instant. Ça ne saurait. Ouais, le Lotus Bleu et Red Dragon. Bon. Suicide! Wesh. Attends, faut peut-être réussir à les arrêter d'une certaine façon. Peut-être que. Mais peut-être. Il faut que je mange. Ok. Donc je peux pas les posséder d'ici. Ok. J'ai réussi à arrêter le truc. Non. Faut peut-être que je monte sur le truc, hein. C'est peut-être ça. Ouais, ça vous fait marrer hein, de me voir mourir, hein. Non, je parle pas à vous, hein, je parle aux deux là derrière. Peut-être vous aussi, mais bon. Hey, mais monsieur, même professeur Layton est plus gentil, on a le droit à des indices là. Y'a même rien, y'a rien, oh là là. Oh là là. Enfin, je vais la défoncer à coup de marteau, ton truc là. Enfin, à coup de katana. Mais vas-y, je te le tape ton truc là. Bah, oh, il y a une lumière pas comme les autres. Faut peut-être que je tire dessus. Ah ouais, hein, je commence à avoir de la logique à la con. Hein. Et vas-y, on va. Oh putain. Et vas-y, faut que je presse ce truc là. Oh putain. Bon, visiblement, il faut que je fasse quelque chose avec ces cages. On va voir, on va essayer d'aller derrière, on va essayer de les péter, hein. C'est chelou, moi je te dis, c'est chelou. Et comment ils ont fait pour m'atteindre les trucs? Regarde, t'as vu comme je suis accroupi, comment ils font? Non, mais on n'est pas à Donald Deland. Oh là là. Bon, est-ce que ça a arrêté quelque chose? You've shown great resilience so far. Let's see how you do against some live targets. Proceed. Oh putain. C'était ça qu'il faudrait faire. T'aurais pu me dire plutôt connard, hein. Myths are constructed around legitimate observations. Let us find out if there's any truth in an old superstition. Initiate Van Helsing experiment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Qu'est-ce qu'il... What? Van Helsing hypothesis tests false. Ouais, c'est sûr, ça n'a pas marché. Hein. Il a voulu me faire le coup de la croix. Non, désolé, je suis pas religieux. The men are veterans. What the fuck? Oh putain, il m'a envoyé les SWAT, le mec. On est pas dans Hitman, je t'ai dit. Ah, je me fais agresser par les SWAT. Je me fais agresser. Oh là là. Mais je veux... Ah, aussi, quelque chose, les gens, j'ai oublié de vous le dire. Mais nous avons un invité, mystère. Vous devinerez jamais qui c'est. C'est moi. Salut moi.
Hello! Ouais, toi! Ouais, ouais, ça va. Attends, toi, on va tester ouais. un truc. On va essayer de parler en même temps. Attention. D'accord. 3, 2, 1. J'aime les chaussettes parce que j'aime les chaussettes. J'aime les chaussettes. J'aime les chaussettes parce que j'aime les chaussettes. Ouais, t'as plein, mon pote. Ouais, allez, allez. Bon, mec, ouais, toi, ouais, allez, mec. Oui, désolé, hein. Ouais, je dois aller. Oh non, t'en vas pas tout de suite. Mais si. Allez. Tu peux bien allez, rester plus seul tard. Sans moi. Salut. Ah, sacré moi. Vous aurez tout vu dans cette vidéo. Moi qui pensais mettre infiltration réussie comme titre de vidéo, ben là finalement je change. Hein. Un truc qui va mieux aller avec cette vidéo. Ouais, les épreuves chiantes. Ouais, elles sont chiantes. Hein, c'est... oh là là. Je voulais pas être cobaye, moi. Je voulais juste bosser pour la Croix-Rouge. Oui, c'est complètement n'importe nawak. Mais n'importe nawak. Nawak, c'est nawak. What? Eh, hey, mec. Eh, hey, mec. Pas cool. Yoche, putain, ouais, vas-y. Je vais tous les tuer. Je vais exarbouillailler. Ouais, je sais, ça veut rien dire, mais bon. Je vais exarbouillailler quand même. Bon, il y a l'air d'en rester plus qu'un, le dernier. Mais entre nous deux, il n'y en restera qu'un. Tussus Maxime. On va aller lui dire bonjour, on va le tuer et on va faire des petites spaghettis avec. Oh putain, il est juste là. Oh putain, il m'a dégommé de la santé. Espèce d'enc... Alors, en ferait moins. Oh putain. Comme d'hab, ça s'est joué à... À peu. Il y a l'autre, il est content, l'autre meilleur là. L'autre meilleur, il est meilleur. Continue to the next room. I'm very enthusiastic about this next test. Bon, c'est bon, je peux enfin continuer moi. J'ai envie juste de me barrer d'ici, mec. Putain. Chut. Tu sais, on pourrait sympathiser, hein. Je suis un vampire cool en vrai. Mais bon, vu que t'as l'air d'être un vrai connard avec moi, et là, il y a un champ de force qui me repousse de la porte. Bon, tu l'ouvres ou quoi? Tu bouges ton cul ou... Ok. Faut qu'on m'explique s'il est en train de branler, ce truc. Il se fout de ma gueule. Et là, il l'a ouvert. Many regimes use electricity to torture information. Ok. Je suis encore tombé sur quel merdier là. On peut m'expliquer? Oh, ça a l'air tranquille pour l'instant. Bon, bah, a priori, faut les péter. Ouais, a priori. Oups! Ok. J'ai compris. Ok. Si tu veux, mec, hein. Si tu veux. Bon, là, il risque de se répéter, hein. Mais bon. Donc là, on va faire un truc très simple, c'est qu'on va essayer de les péter dès qu'on est dehors. Ah oui, hein. Ils ont l'air de faire mal quand même, hein, les petits hauts là. Les petits générateurs électriques. Je vais dire les générateurs électroniques, non, peut-être pas. Putain, pourquoi des fois ça fait rien?
Does that hurt? Je vais mourir. Encore un coup et je suis mort. Non, deux. Voilà. En tout cas, le prochain Saints Row 4, il a l'air vraiment génial. Seul point négatif du jeu pour l'instant qui a l'air de me déplaire, sur tout ce qu'ils ont dit, les véhicules inutiles. Oui, j'ai regardé le live sur jeuxvideo.com et tout. Non, les... Moi qui aime collectionner les véhicules, je suis un peu triste, hein, des véhicules inutiles. Mais bon. Ouais, bon, ça va pas me déranger tant que ça. Surtout une dernière chose, ça va pas m'empêcher de les collecter, hein. Ça je vous le dis. Hein. C'est pas parce que les véhicules sont inutiles que je vais pas pour autant essayer de tous me les collectionner. Hein. Ah, vous avez vu la collection que j'ai essayé de me faire dans le premier Saints Row quand j'ai fait la Switch. Que je vous referai bientôt, j'essaierai de vous la refaire la Switch. En recollectant tous les véhicules, ça va être marrant. Dans le 2 aussi j'ai une bonne collection, vous verriez. Et dans le 3, ben, vous l'avez vu, hein, pendant les 30 délires, bientôt 40. Et justement, je m'arrêterai à 40 délires. Hein, vous avez vu, hein, ça c'était... J'ai une collection, hein, moi j'adore ça. C'est pour ça que j'aime pas trop GTA. On peut pas collectionner tous les véhicules. Ou même pas beaucoup. Tu peux jeter juste une ou deux places. Ça sert à rien. Même dans Mafia, t'avais au moins 8-10 places. Hein, c'est déjà bien. Dans l'œil noir, là, par contre, t'as une espèce de vitrine où tu peux défiler les véhicules. Mais par contre, tu peux pas les avoir dans un garage. Mais bon, tant que j'ai un truc, je peux tous les collectionner, je suis content. Bon, sinon, j'espère que ça vous a plu. On se revoit prochainement pour la suite. Les gens, bye. Putain, les portes qui disparaissent.